Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va aborder les nouvelles réformes concernant les DPE ou principalement même les logements à consommation énergivore. Et je vais aussi vous parler de l'audit énergétique qui est une nouvelle obligation à partir du 1er avril 2023 pour la vente de tous les logements classés en F ou en G. Alors, tout d'abord, l'audit énergétique qui est obligatoire donc à partir du 1er avril 2023, il va être à faire pour tous les logements F ou en G. Et l'objectif de celui-ci est d'apporter un peu plus de précision et des conseils personnalisés en fonction de la construction du bâtiment et du logement pour améliorer leur rendement énergétique et qu'ils puissent être classés en B, en D dans les années suivantes afin d'être toujours éligibles à la location. On va y revenir juste après. L'audit énergétique est additionnel au DPE, il ne le remplace surtout pas. Concernant aussi l'impact de celui-ci sur les notations des habitations, il va y avoir un impact fort sur le locatif surtout. Depuis le 1er janvier 2023, les logements qui sont classés en G+, ne peuvent plus être mis à la location. Les G+, c'est tout simplement les logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an d'énergie finale. Ce sera le tour de tous les autres logements en G au 1er janvier 2025. Et pour les logements en F, à partir du 1er janvier 2028, qui approche du coup quand même aussi très rapidement. L'obligation de cette nouvelle réforme et de cette obligation d'améliorer le rendement énergétique des logements, c'est tout simplement de consommer moins, en étant mieux isolé, et d'avoir moins de passoires énergétiques, surtout dans le milieu locatif, qui était trop présent actuellement. Les choses simples à retenir, aujourd'hui si vous êtes en F ou en G, il faut absolument réaliser votre audit énergétique pour la vente de votre bien. Et si vous avez des biens qui sont actuellement à la location, il va falloir envisager très rapidement de faire des travaux pour améliorer ce rendement énergétique, sinon vous ne pourrez plus les louer. J'espère vous avoir donné quelques informations utiles et intéressantes. En tout cas, n'hésitez pas à suivre ce que nous proposons et je vous dis à très bientôt.